La foire aux harengs, le 11 novembre à Lioré, est un rendez-vous festif incontournable qui remonterait au 15e siècle. Mais au-delà des étals de poissons, il y a bien sûr le concours du plus gros mangeur de harengs. 8 candidats sont en lice. Il faut ingurgiter en une heure la plus grande quantité de harengs. Venu de Ponto de Mer, Pascal arrive premier. Il a mangé 1 kg 465 g de poisson. Tant que mon estomac en veut, c'est bon. Le jour que l'estomac en veut plus, j'arrête. Alors quel intérêt de manger autant de harengs? Pour gagner le concours. Essayer de gagner. Si on vient juste pour en manger un, faut mieux laisser la place à d'autres. Jacqueline est la seule femme parmi les concurrents. Elle décroche la 5e place après avoir mangé 875 grammes de harengs. C'est compliqué de manger comme ça Non, on prend son temps, tout doucement. Et depuis combien d'années vous participez à ça? Depuis 2002-2003. L'équipe de bénévoles chargée de griller le poisson pour les concurrents prépare l'événement depuis 3h du matin. Mes grands-parents étaient poissonniers, donc je pense que c'est peut-être génétique, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis, c'est l'ambiance de la foire, quoi. Enfin, vous voyez un peu le contexte. Je pense que bon, vous n'êtes pas la première foire que vous faites. Et voilà, moi j'aime bien ce côté-là, côté festif, et puis c'est sympa, quoi. C'est intéressant, c'est marrant. Le contact avec les gens. C'est la 5e fois que Pascal gagne le concours. La tradition veut que le vainqueur emporte son poids en harengs, donc il repart avec 95 kg de poisson. Voilà, attention au chariot qui sert. T'es pas gâté pour Noël, tu vois? Ah oui, bravo!